Voilà donc la fameuse limite entre le département de la Marne et le département de l'Aisne. Plus exactement, la commune de Fismes qui obtient l'appellation et la commune de Bazos qui ne l'obtient pas. Donc là, on a le droit de faire du champagne et là, non. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est la frontière du champagne. C'est ça, la frontière du champagne. Pas besoin d'être expert, hein. La guerre des bulles est déclarée. Dans le monde bien rangé des vignes champenoises, la frontière n'a quasiment pas bougé depuis 1927. La Champagne s'étend sur 4 départements. Aujourd'hui, seules 319 communes peuvent produire des raisins de Champagne. Au total, c'est près de 35 000 hectares, quasiment tous plantés. L'appellation n'a plus assez de vignes. Une quarantaine de nouvelles communes vont obtenir le droit de planter du Champagne. La plupart se trouvent dans la Marne. À Paris, c'est l'événement people de la rentrée, les vendanges de Montaigne. La star, c'est lui, dernier-né d'une grande maison de champagne, un millésimé présenté comme un bijou. Bien évidemment, le champagne, c'est la fête, mais encore plus pour une maison comme nous. Le champagne, ça, c'est l'association extraordinaire avec le diamant, avec le... Et puis c'est la boisson la plus noble, je dirais. Donc pour une maison comme la nôtre, l'association avec ce champagne-là, et plus précisément avec ce pop vintage, représente pour nous la quintessence, en fait, du luxe. Un quart de champagne vêtu d'or, une simple paille pour boire ce qui est présenté comme le comble du raffinement. Retour à la source, sur les terres d'un vigneron indépendant, 9 hectares de raisins de champagne. Dans cette famille, on est vigneron de père en fils depuis 1894. Retour aux sources, le labour. À l'heure du tout automatique, ce jeune puriste veut faire revivre la tradition. Elle commence cette terre-là. Elle respire. Elle respire ? Elle respire. Ça se voit ? On peut aller la voir ? On peut y aller, ouais. On va prendre une route qui vient d'être faite. Voilà, là c'est le début, mais voilà, voilà. On a l'impression que, voilà, on est dans de la terre. Ça sent bon. Et ça, c'est important pour faire du bon champagne ? C'est primordial. C'est primordial. Un bon sol donnera un beau raisin. Un beau raisin donnera du bon vin. Sauf que personne fait ça. C'est dommage. C'est dommage. Pascal Agrapard va plus loin. Aucun produit chimique n'est déversé sur ses vignes. Juste le soleil, l'air et la main de l'homme. En fait, la machine, elle a un gros avantage, c'est qu'elle va très vite, mais qu'elle est très rectiligne, il n'y a pas l'œil, quoi. Et en fait, moi, cette petite feuille-là, la machine, elle n'ira pas la chercher, quoi. Celle-là, elle n'ira pas la chercher non plus, quoi. Elle va faire quelque chose de carré. Alors que le fait de le faire à la main, en fait, ça permet d'être un peu plus pointu et d'aller un peu plus loin dans l'aération de la vigne, en fait.
Le respect du terroir, un gage de qualité pour ce vigneron de la génération bio. À partir du moment où on se retrouve sur le territoire AOC de la Champagne, on fait du champagne. Peu importe les moyens qu'on met en œuvre pour élaborer le raisin et pour élaborer le produit. Quoi qu'on fasse. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse. Cela marche du mauvais côté de la frontière. Les propriétaires terriens de l'Aisne voisine rêvaient d'entrer dans l'appellation. Leur candidature vient d'être rejetée. C'est l'incompréhension. Alors, vous avez devant vous le coteau de Révillon. Le village de Révillon est ici à notre gauche. Et le coteau de Révillon est devant vous avec ce grand rectangle de colza bien jaune, là. Sur ce site ici, il y a eu des parcelles qui ont eu le droit d'appellation champagne. Mmh. Donc il y a eu des vignes qui ont été cultivées, qui ont disparu petit à petit. Mais à un moment donné, on a fait il y a eu du raisin et il y a eu un vin qu'on a pu appeler champagne. Il y a une discrimination. Où remonte cette discrimination? C'est un mot qu'on emploie pour le racisme. Il y a quelque chose qui s'apparente à ça. Mais oui, comment l'expliquer autrement? Du racisme. C'est à se demander, peut-être entre les deux départements, peut-être entre une mini-région et une autre, peut-être entre des riches et des pauvres. Vous êtes les pauvres, vous? Notre région, oui. On va être fait en Champagne, 44 000 hectares. La conquête du Champagne est encore dans tous les esprits. Il y avait 35 communes en lice qui ne se résignent pas à la défaite. Ça ferait grosso modo 6. Réunion de crise à la mairie. Objectif, organiser la riposte et trouver de nouveaux arguments pour enfin convaincre. Alors ça se trouve à la page 45 du rapport, c'est-à-dire on est quasiment à la moitié. Donc, zone d'élaboration, trois principes. Appartenir à la Champagne historique. Deux, témoigner d'une vocation viticole ou vinicole. Troisième chose, il doit y avoir une correspondance entre la zone de production et la zone d'élaboration selon la position géographique de la commune ou située en position logistique favorable. C'est-à-dire sur des axes de communication, sur... Bon, c'est-à-dire que là, vous commencez à voir que les critères, ils sont à voile et à vapeur, comme on dirait. Bon. Deux, appartenir à l'une des grandes structures géomorphologiques... Les propriétaires de l'Aisne en sont convaincus. Ils répondent à ces critères. Preuve à l'appui. Voilà, le sous-préfet de Soissons à Monsieur le maire de Merval, j'ai l'honneur de vous faire connaître que votre commune est comprise dans la liste de celles dont les vins peuvent, au terme de la loi du 22 juillet 1927, avoir droit à l'appellation Champagne. Ça, c'est une preuve. Ça, c'est daté de 1928. Cette preuve, elle n'est pas retenue? Apparemment, non. Parce qu'on n'est pas dans la Champagne historique. Voilà. Ils se basent sur des délimitations de régions administratives du temps de Clovis, bien avant que le Champagne n'existe. Invraisemblable. Il y a de la mauvaise foi et du cynisme. Complètement dingue. Incroyable. Le bon côté de la frontière, le département de la Marne. Fimes, 6000 habitants, entrera bientôt dans la famille très fermée du Champagne. Pourtant, en 1927, la commune refuse d'entrer dans l'appellation. À l'époque, la culture de la betterave est plus rentable que le raisin. Pour rattraper cette erreur, il a fallu constituer un dossier circonstancié. Il y a des preuves que l'on a trouvées notamment aux archives départementales, dans les mairies des communes concernées. Il y a ensuite, bien sûr, des preuves architecturales qui démontrent que, effectivement, il y a bien des... Disons que, en général, les bâtisses ont été faites de façon à pouvoir correspondre au travail de la vigne, au quotidien. Et donc, à partir de petites portes ou de grandes portes ou de choses différentes, on se rend compte qu'effectivement, les bâtisses ont été construites de façon cohérente avec le travail de la vigne. À Fimes,
on a trouvé les bons arguments. À Serval, les terres restent désespérément agricoles. Ah, ça débourre, hein ? Ça y est, c'est parti maintenant. Quoique certaines portent encore quelques ceps. La route de Blanc. Tous propriétaires, ils exploitent des pieds de vigne. Pour eux, pas de doute, leurs raisins méritent la même attention que les grappes champenoises. Ça, ce bourgeon-là, on va le laisser. Celui-ci aussi. Celui qui est en dessous, qui pousse sur deux vieux bois, on va le supprimer parce qu'il ne produira pas de fruits la première année. On laisse ici ce brin-là, ce sarment-là, est appelé à remplacer le vieux. Donc on va laisser celui-ci et sur la partie verticale, on les supprime. Beaucoup de gens, même des scientifiques, nous disent que le meunier, c'est le vrai cépage pour la champagne. Parce que c'est une mutation du pinot noir qui s'est fait naturellement. Elle s'est fait ici et pas ailleurs. En Champagne. En Champagne. On est donc en Champagne, ici. Bah, voyez-vous, vous me le faites dire sans que j'ai voulu le dire, sans que j'ai cherché à le dire, mais moi, j'en suis convaincu. Hein. J'en suis convaincu. Abandonnés au milieu de leur vigne, ils ont le vin triste. J'ai 67 ans, j'ai été élevé dans les vignes, pour ainsi dire. J'ai connu le coteau aux trois quarts rempli de vignes. Aujourd'hui, ben, on voudrait nous exclure de la zone dans laquelle nous sommes encore à ce jour, à cette minute, nous sommes encore dans la zone. Et on voudrait nous en exclure. Exclu de la zone. C'est une sorte d'expropriation. Ouais. Une sorte d'expropriation. Ils sont persuadés d'avoir les vignes, le savoir-faire. Oui, on va essayer. Alors, ils produisent leur champagne. Dans l'Aisne, en dehors de l'appellation, un champagne pirate. Oh, c'est pour moi, pour me repérer. Hein. Alors, on les remue bien. Et on les met en casier, pratiquement à plat, dans la position à plat. Et au fur et à mesure du travail de la bouteille, qui consiste à tourner quart de tour par quart de tour pendant un certain temps, on remonte la bouteille jusqu'à ce qu'elle ait cette position finale avant le dégorgement. C'est ce qu'on appelle la méthode champenoise. Ah oui, traditionnelle. Le traditionnel, oui, oui, c'est ça. Alors le but du jeu, c'est d'aller quand même assez vite. Oui. Et nous vous répétons, nous n'avons pas mis la liqueur, là. Parce que, bon, c'est une démonstration. Et ça, c'est du bon. Ça, c'est de l'extra dry. C'est du bon. On peut le boire d'ici quelques minutes. Sans problème. Oui, si, on voit les bulles, là. Ah, oui, c'est magnifique. Voyez bien la finesse des bulles. Hein. Il a une robe très agréable à regarder, très claire, très limpide, et en même temps très nerveuse. On voit ces bulles à l'infini. Il n'y a pas de défaut, hein. Votre vin, là, c'est quoi, alors ? C'est du vin blanc, pétillant, de consommation familiale, je maintiens. Qui n'est pas fait loin du champagne. Qui est fait, je dirais, moi, en champagne. Sauf qu'on est dans l'Aisne et qu'on applique les méthodes de la Marne. Mais du vin blanc pétillant fait en champagne ? Appelez-le comme vous voulez, vous ne me le ferez pas dire, parce que légalement, je n'ai pas le droit. Mais j'y pense fortement. Vous n'avez pas le droit. Non, nous n'avons pas le droit. Et en famille, vous buvez quoi ? Vous l'appelez comment ? Oh ben nous, on dit du champagne, bien sûr. Ben, on est quand même libre, il me semble, non ? Chez nous, mes enfants, ben papa, on va boire une bouteille de champagne. Hein ? Et je ne vais pas chercher du champagne d'ailleurs que le mien. Mais ce n'est pas du champagne.
Le champagne est né ici. Alors où exactement? Vous savez, ça, c'est ce qui reste de l'abbaye où Dom Pierre Pérignon a vécu 47 ans. Donc on est dans l'environnement où le champagne est né sous l'impulsion d'un homme visionnaire qui, pour la première fois dans l'histoire du vin, a créé un vin complètement nouveau. Et d'ailleurs, en s'approchant, on va voir un témoignage, un hommage plutôt, à cette invention, même si finalement, ce qu'on va voir, c'est la seule chose qu'il n'ait jamais complètement comprise, qui est peut-être le mystère qu'il n'a pas complètement percé, c'est l'effervescence du champagne. Comment ça s'est passé? Alors l'accident, c'est qu'il a compris que son vin pouvait s'améliorer avec le temps, mais aussi il a compris que son vin était trop fragile pour être gardé en tonneau, et il l'a mis en bouteille. Et des bouteilles hermétiquement fermées, bien sûr. Et là, sans qu'il comprenne pourquoi, le vin s'est mis parfois à mousser naturellement. Au début, on appelait ceci un vin diable. Alors pour un moine, ça ne faisait pas sérieux. Mais il a compris que l'effervescence, non seulement apportait du mystère, mais apportait de la qualité au vin. Et l'intelligence, c'est peut-être d'avoir vu le doigt du créateur, puisque c'était un moine, d'avoir vu le doigt du créateur, la contribution du créateur à son œuvre humble de moine, quelque part dans un petit monastère en France. Le champagne, à force d'être dans le mythe, on oublie que c'est aussi né d'un terroir. Et ici, on est dans le terroir d'où est né le champagne, même si le champagne est aussi né d'une mosaïque de terroirs. Ici, on est au cœur du vignoble de l'abbaye, et ce sont ici des plants de pinot noir comme à son époque. Mais l'intelligence de Dom-Pierre Pérignon a été, grâce aux multiples petits vignobles que possédait l'abbaye un peu partout dans la région, d'avoir cette idée qu'il s'agissait de transcender toutes les différences d'origine qui étaient à sa disposition et de combiner les différents cépages qu'il avait dans des proportions idéales pour que finalement la création chante une hymne de gloire à Dieu en exprimant une harmonie parfaite à partir de pinot noir, de pinot meunier, provenant d'Auvillers, mais de tous les autres villages où l'abbaye était propriétaire. C'est vraiment l'origine de l'assemblage. Les vignes étaient là depuis l'époque gallo-romaine. Mais il aura fallu un moine, une méthode, un flacon, un bouchon pour que ce vin devienne champagne et parte à la conquête du monde. La Champagne a une tradition de commerce international qui remonte aux foires de Champagne, qui remonte aussi au commerce du drap de laine, dont les grandes familles s'appelaient Colbert, mais aussi Mouette, mais aussi Cliquot. Et ce sont ces familles qui vont apporter leur savoir-faire à ce produit nouveau. Et les vignerons vont suivre, incités à produire ce vin qui a une demande si importante et un prix si élevé parce que la qualité est au rendez-vous. Épernay abrite les plus belles maisons de Champagne. Toutes dans la même avenue. Alignées comme des ambassades de l'appellation. Dans leurs caves,
des bouteilles par millions qui attendent d'être commercialisées en France et à l'étranger. La demande explose. En 2007, 338 millions de bouteilles ont été vendues. Une année record. Reims, l'autre capitale du champagne. Dans les étages de cette grande maison, c'est ici que le chef de cave crée, recrée le style de la marque. C'est ici qu'il procède à l'assemblage, à l'alchimie du champagne. La partie sud de la montagne de Reims, j'arrive à Bouzy. Là, c'est la vise, je mets de côté. Là, je redescends un peu plus loin, et j'arrive tout proche d'Épernay, c'est-à-dire à Haï, où je suis à nouveau au Pinot Noir. Là, je laisse de côté, donc je vais rattaquer après sur la partie de la Côte des Blancs avec Cramant, Avize et Auger. Et là, ici, je suis dans la vallée de l'Ardre. Voilà. J'ai donc trié rapidement l'ensemble des échantillons qui représentent une base d'assemblage sur laquelle je souhaiterais travailler. Je vais commencer par déguster une à une chacune des qualités pour pouvoir bien me mémoriser ces qualités. Et une fois que ce travail sera fait, ben, c'est-à-dire aller chercher après un pourcentage de l'un par rapport à un pourcentage de l'autre pour pouvoir arriver au volume souhaité dans l'assemblage. Donc là, on va travailler sur un assemblage d'un brut sans année, où là, on va avoir des vins d'une année mélangés avec des vins d'année antérieure. Je dis bien d'années antérieures, donc de plusieurs années, pour arriver à trouver cette unité de goût, cette régularité dans le goût que l'on peut avoir d'une année sur l'autre. C'est la force de ces maisons de champagne, une identité qui ne varie pas. Voilà. Donc là, je viens de faire mon premier essai d'assemblage de Summertime. Déjà, au nez, c'est engageant. C'est engageant parce que quelque part, on sent déjà une belle maturité dans le vin. C'est donc un certain équilibre et c'est ce qu'on cherche à donner à l'assemblage. L'assemblage est là pour trouver de l'équilibre au vin, pour trouver du volume. Donc, ce qu'on n'a pas forcément quand on est sur un cru seul. Donc, quand on commence à assembler plusieurs crus entre eux, c'est pour pouvoir donner du volume au vin pour que le vin puisse s'exprimer. Donc là, quelque part, on trouve déjà cela. Et maintenant, en parallèle, je vais déguster le même produit élaboré 3 ans plus tôt, qui est aujourd'hui commercialisable et commercialisé. La différence fondamentale, elle est là. Je suis parti de ce vin tranquille. Il a été mis en bouteille. En bouteille, on lui a fait faire une seconde fermentation. Et cette seconde fermentation a donné naissance, bien sûr, avec une élévation d'alcool, une très légère élévation d'alcool, mais surtout, ce que l'on cherchait, c'était quoi? C'était le gaz carbonique. Ce gaz carbonique qui permet donc de développer toutes ces bulles que vous avez dans le verre. Regardez, c'est pas merveilleux, ça? Bon, bien sûr, vous avez un peu de condensation, ce qui est normal, la bouteille est fraîche. Et regardez, vous avez des chapelets de bulles qui montent comme ça dans le verre, de manière incessante. On pourrait le regarder pendant des heures et des heures, inlassablement. Elle parle d'elle-même. À Avize, pas de costume cravate, le tablier est de rigueur. Pascal Agrapard est partout, il aime faire les choses lui-même. «
C'est pas comme une recette de cuisine, mais c'est en tout cas des ingrédients qu'il faut mettre à un moment donné et qu'il faut pas mettre trop pour ne pas rater le gâteau. C'est pas un gâteau, c'est du vin. Alors, qu'à Martin, moins 163. À tout point de vue, ce champenois est un original. Fait un champagne que moi j'aime en fait. Et après, il faut que les gens adhèrent à ce que moi j'aime. Et voilà quoi. Et si on n'aime pas, on parle autre chose, on boit autre chose ou on va ailleurs quoi. Mais en tout cas, il faut que les gens adhèrent à ce que moi j'aime. Si on est modelé par, par des gens qui travaillent dans des bureaux, par des scientifiques qui donnent des avis scientifiques, si on est modelé par d'autres personnes, ben forcément, on n'est pas dans soi, quoi. Et si on n'est pas dans soi, on n'est pas dans sa personnalité. Les bouteilles arrivent vides et rentrent et ressortent remplies. Ici, comme on fait du bouchage liège, les bouteilles arrivent non capsulées sur la table. Et après, on les bouche avec un bouchon et une agrafe pour la conservation en cave. Pour la cuvée spéciale, mise en bouteille à la main. Ouais, ça pourrait être une vieille photo. Une photo des années 50. Entre les vendanges et les manifestations officielles ou familiales auxquelles la tradition a su rattacher le champagne, bien des années passent donc. Soit toujours sur l'élite des vins effervescents, on doit conserver les valeurs qui permettent d'être irréprochable par rapport à tous les autres effervescents qu'on peut produire dans d'autres régions de France, voire même du monde. Ça veut dire ne pas faire de l'industrie? C'est pas forcément ne pas faire de l'industrie, mais en tout cas conserver le côté artisan ou artisanal du champagne et de la champagne. Aujourd'hui, cet artisan du champagne produit 100 000 bouteilles par an, pour la plupart direction l'étranger, principalement l'Europe. Le secteur explose, les affaires marchent, trop bien peut-être. Il ne faut pas que l'image du champagne se banalise trop. Et si c'est pour faire des volumes, simplement pour faire des volumes, en vivant uniquement sur l'image champagne et plus sur la réelle qualité du vin de champagne, je pense qu'on se trompe. Des volumes certes, mais une qualité irréprochable. C'est le cas. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire un produit de grande qualité, il faut revenir à des rendements un peu plus raisonnables. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les rendements ne sont pas forcément raisonnables. Allier qualité et quantité, toute la problématique du champagne aujourd'hui. Bernard Beaulieu est le maire d'un village de la Marne, dans l'appellation depuis 1927. Il voit d'un mauvais œil les spéculations que suscite l'extension du champagne. Là, vous avez bien entendu tout un panel de choses qui ont été classées en 1927, de terres qui sont devenues des véritables vignes, avec bien entendu un aspect qualitatif lié au coteau et lié à une partie de base de la plaine. Donc là, nous avons des terres qui nous produisent un raisin d'excellente qualité. En fond de coteau, j'ai des terres qui nous produisent actuellement du blé. Ces terres là-bas n'ont pas été classées en 1927 parce que bien entendu, c'était Gélif. Aujourd'hui, le grand débat en Champagne, c'est d'augmenter l'aire d'appellation. À travers cette augmentation d'aire d'appellation, on peut se poser beaucoup de questions. Les dirigeants de la Champagne nous disent que bien entendu, ce sont des techniciens qui vont déterminer à partir de 2009
l'aspect qualitatif de ces terres ou de ces bois qui risquent de rentrer dans l'aire d'appellation, alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de financiers sont en train de spéculer sur un certain nombre de terres, de bois, de friches, etc., qui pourraient bien entendu rentrer dans cette aire d'appellation. L'idée que ce sont des techniciens qui décident, vous y croyez une seule seconde ? Non, je n'y crois pas. Je pense qu'il va se mettre en place des groupes de pression et que ces groupes de pression, bien entendu, vont avant tout faire valoir le fait qu'ils ont mis la main sur des terres et sur des friches et sur des bois qui feront rentrer envers et contre tout dans l'aire d'appellation. Ça, pour moi, en tant que champenois, c'est beaucoup, beaucoup d'inquiétude, puisque le champagne doit, envers et contre tout, rester un produit d'exception à haute qualité. On va avoir une partie de route qui n'est pas trop bonne, mais enfin, ma voiture a l'habitude. C'est un chemin de vigne. Plus que les autres, l'appellation champagne est sévèrement contrôlée. C'est le tout-puissant CIVC, Comité interprofessionnel des vins de Champagne, qui impose le sacro-saint rendement à l'hectare. Après les records de 2007, cette année, les vignerons pourront produire 380 millions de bouteilles. On n'arrivera jamais à abreuver, bien entendu, le monde. Ce n'est pas possible, parce que là, c'est des milliards de bouteilles, c'est du Coca-Cola qu'il nous faudrait. Mais là, le champagne n'est pas un produit Coca-Cola. C'est la terre qui décide, c'est les conditions climatiques. Jouer avec ça, c'est très dangereux. Là, aujourd'hui, on est face à des raisins d'exception, de très haute qualité, mais demain, je ne sais pas ce qui se passera. Donc, on ne peut pas jouer avec les rendements, on ne peut pas décréter des rendements trop importants, puisqu'on dilue l'acidité, on dilue les arômes, on dilue le sucre, et bien entendu, en finalité, on n'aura pas un bon produit. Depuis ces 20 dernières années, tout le monde s'accorde à dire que la qualité du champagne est à son maximum. Le Café du Palais, institution rémoise depuis 1930. Ici, comme partout dans la région, toutes les occasions sont bonnes pour boire du champagne. Une coupe à l'apéritif, un dîner au champagne, et manifestement, le plaisir est toujours là. Il y en a d'avance au réfrigérateur. Toujours, le Café du Palais. Ouais, nickel. C'est l'heure de l'apéritif. Commencez à boire soif. Voilà. C'est monsieur qui goûte le vin ? Oui, oui. C'est avec plaisir. Le champagne contient des jolis éléments. De plus. Ça coûte du champ. A priori. Très bien. Et bien frais. Vous pouvez y aller. Et bien frais. Donc, qui sont des Rémois de souche, ben, il y en a qui vont défendre. Hein. Je ne citerai pas de nom un peu plus. Ils vont dire, ah non, moi c'est celui-là que je préfère. Est-ce qu'on s'habitue à ça est... Oui, puis on pas. On s'habitue au champagne. Il y a des vins, on trouve. Non, mais pas des pommes. Ah mais si. Pour certains, c'est un produit de luxe, mais pas pour nous. C'est pas, enfin, de... entendons-nous... C'est quelque chose. Enfin, c'est une tradition en Champagne de boire du champagne. Donc, c'est pas vraiment un produit de luxe. Bon, allez. À notre santé. Santé. À la santé des présents, des vignerons, des absents. Le goût du champagne a changé. Ça a amélioré. Fait la même chose il y a 20 ans, par exemple. Non, je pense pas. Il s'est amélioré. Je pense que pour les grandes maisons. Je ne parle pas des très très grandes maisons, hein, mais des maisons qui font, qui font les grandes marques. Bon, ils ont quand même le souci de la qualité. Oh, quel bonheur! Donc voilà les champagnes qui sont rangés par marque en fait. Il y a à peu près 47. On a à peu près 47 références avec différentes choses. Ça va des rosés, des blancs. Des champagnes non dosées en sucre. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça. Oui, oui. Avant, on ne vendait pas tellement de champagne rosé. Maintenant, il est devenu un peu le champagne de l'apéritif. Il y a des effets mode, en fait, qui sont... C'est flagrant. Voilà, ça ressemble au biscuit rose de Reims. Il y a eu l'effet mode un peu blanc de blanc, c'est-à-dire que les gens voulaient des 100% chardonnay. Là, en ce moment, on est un peu sur quelque chose. Les gens cherchent des champagnes non dosées, donc sans sucre du tout. Ça, en ce moment, ça fonctionne pas mal.
On peut partir sur un Red Rare. On aurait pu prendre peut-être un drapier aussi, non ? Un champagne de cœur. Ça, c'est quelque chose qui est... En plus, un 96, c'est pas mal, ça. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le champagne était toujours associé à la fête. Il est toujours maintenant. À la seule différence, c'est que maintenant, il est associé à la fête, mais considéré comme un vin. Mais il y a 20 ans, c'est-à-dire que les champagnes, à mon avis, étaient peut-être en qualité un tout petit... Enfin, c'était pas pareil. Maintenant, moi, je trouve qu'on arrive à quelque chose de parfait, de très bien. Quelques rues plus loin, un caviste, lui, ne propose que quelques marques de champagne. Jackson, pur chardonnay, Avis 2000. Pas de grandes maisons, mais des vignerons indépendants. Pas de filtration. Qui sont dans l'air du temps. Et nous sommes dans une période encore un peu sucrée au niveau de nos goûts. On va vers le salé. On retourne vers le salé, mais ça, c'est au fil du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on en parlait au début du siècle, ma grand-mère, qui est décédée, elle avait presque 100 ans, elle consommait du champagne qui était très sucré. En France, et pas qu'elle, en France, le goût, vous aviez environ 30% de sucre dans la bouteille. 30%, c'est-à-dire un tiers de la bouteille. Ce n'était pas le goût le plus sucré hein, présent en Europe, puisque vous aviez les pays nordiques, et vous aviez l'Allemagne et la Russie, où c'était encore beaucoup plus sucré. Le moins sucré était le goût anglais, où on tournait autour de 20-22%. Vous êtes en présence d'un vin qui, techniquement, je dis bien techniquement, à partir du moment où on a la bonne matière première, est presque parfait. On ne pourra guère augmenter la qualité du vin au cours des prochaines décennies. On est presque au top. Et la perfection se paie cher, de plus en plus cher. Une fois, un Américain s'installait en terrasse, commandait une bouteille de Krug, de champagne, un des meilleurs, on va dire ça comme ça, avec un sandwich. Bon. Le garçon vient nous voir en disant, mais vous êtes sûr, le client là-bas qui a un chapeau américain, il lui demande une bouteille. Cette bouteille à 200 euros avec un sandwich à 200 euros. Quoi. Voilà. Alors on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si le client l'a demandé, on le sert. Alors la bouteille part en terrasse, notre Américain commence à goûter le champagne, hein, mange son sandwich et il laisse la demi-bouteille, la moitié de la bouteille, en disant au garçon, c'était délicieux, le reste c'est pour vous. Il y a une partie quand même de consommateurs, de clients, qui n'hésitent pas à prendre le plus cher. Synonyme, le plus cher doit être le meilleur. Mais là encore, c'est une question, j'allais dire, ou d'éducation ou de connaissance pour C'est-à-dire que dans une clientèle locale, les gens, c'est vrai, ne vont pas forcément prendre des très grandes cuvées, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on boit plus, des champagnes bruts, des blancs de blanc, des choses comme ça. Tout ce qui est cuvée un peu spéciale, qui arrive à des prix vraiment là assez importants, enfin, je ne sais pas, on a des cuvées qui sont à 195 euros, 200 euros. Là, il y a un type de clientèle pour ça, c'est-à-dire que c'est souvent une clientèle étrangère plutôt. Ça peut être des Russes, ça peut être des Américains, où là, en effet, ils choisissent plus un prix qu'un vin, certainement. Clos Pompadour, dans la ville même de Reims. Le vignoble d'une grande maison de champagne, c'est le temps des vendanges. À peine ramassées, les précieuses grappes vont livrer leur jus. Au niveau de la balance électronique, on fait la tare. Donc il y a toujours, ici vous avez 16 caisses plus le poids de la palette. Donc vous avez la tare de tout ça. Et donc ça donne tout de suite le poids en raisin directement. Puisque tout est acheté au kilo de raisin, l'intérêt est bien sûr à savoir en permanence la quantité de raisin qu'on amène sur un pressoir. Donc par exemple là, toutes les caisses que vous avez derrière vous, ce sont toutes les caisses qui ont été amenées tout à l'heure. Donc elle sait déjà qu'il y a un peu plus de 7000 kg de raisin. Donc le prochain arrivage va permettre d'arriver à nos 8000 kg qui vont permettre de charger un de ces deux pressoirs-là. Ici, tout est automatisé.
Donc là, maintenant, là je suis en train de voir ici, là c'est ce que nous avons pressuré hier et qui est en cours de débourbage. Donc ça, c'est, ça représente 12 000 kilos qui ont été pressurés hier. Et ici, c'est ce qui a été pressuré ce matin et qui vient d'être pressuré à l'instant, qui est en cours de débourbage également. Donc voilà les deux cuves qui sont mes deux premières cuves de l'année 2008 qui sont là. Et qui demain vont rentrer en cuverie à Reims pour être mis en vinification. À Avize aussi, le raisin est mûr. Comme toujours, Pascal Agrapard est présent, enraciné dans sa terre. C'est beau, là. Voilà. Mûr. Ça, pas de maladie. Oh, ça me paraît... Ça me paraît bien. Et l'année 2008, donc ça devrait être un beau millésime. Raisin sain, degré alcoolique cohérent, beau temps, bonne condition pour faire un beau millésime. Ouais. Du ramassage à la mise en bouteille, en passant par le pressurage, tout est fait à la main. Je considère que c'est la Rolls-Royce du pressurage hein, parce qu'on a une faible chute de raisin. Les raisins arrivent sur le pressoir sans être esquintés, en étant entiers. Et l'intérêt du pressurage champenois, justement, c'est d'avoir des grappes entières, non foulées, non esquintées, de façon à pouvoir extraire les différentes qualités du jus. Donc on a globalement là une meilleure filtration, une faible chute de raisin. Et puis on voit ce qui se passe. Hein. Et c'est important de sentir ce qui se passe. Quoi. On n'est pas sur une machine, on n'est pas sur. On voit les raisins. On voit le jus qui s'écoule et voilà. Retour à Reims, où les caves se visitent parfois comme un musée. Nous allons profiter de l'ouverture de la porte, mesdames et messieurs, par monsieur Thierry Gasco, le 9e chef de CAF, pour vous inviter à entrer dans le monde merveilleux de Louise, si vous voulez bien. Je vous en prie. Ces chais sont considérés comme parmi les plus belles de la Champagne. C'est donc aujourd'hui cette descente de cave extraordinaire qui nous permet d'entrer dans le monde imaginaire. Le monde imaginaire du champagne rencontre celui de l'art contemporain. Avancez. Voilà. Avancez et Dieu vient à vous. Et alors là, il faut que vous leviez la tête jusqu'en haut. Ah, mais il y a aussi un hologramme vert, c'est ça ? Il y a un truc vert qui s'allume là, en plein air. Vous avez la confrontation de trois mondes incroyables. Vous avez le parolier, le comment ça s'appelle, c'est ça ? Cela interpelle. Et voilà. Tant mieux, c'est fait exprès. Les gens sont surpris. Les gens viennent avant tout visiter une maison de champagne. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce rapport avec l'art. Or, ce rapport avec l'art, on leur offre, puisqu'il est compris dans la visite, si je puis dire. Donc, ça leur donne des émotions, des envies, des idées différentes. Et je crois que ce qui est important, c'est de donner cette impression aux gens que l'on peut à la fois être les représentants d'un très grand savoir-faire, d'une tradition, avec une énorme rigueur dans la qualité des produits, avec une volonté absolue de toujours essayer de s'approcher le plus proche de la perfection qu'il en soit, et en même temps avoir cette capacité à vouloir vivre aujourd'hui, à vouloir peut-être même être déjà demain.
Derrière ce discours parfaitement rodé, bien sûr, c'est l'image d'une grande marque qui est en jeu. Luxe, tradition et argent. Ici, vous avez la plus ancienne bouteille que nous ayons, c'est 1874. 1874. À Fismes, sur la nouvelle frontière du Champagne, le rêve d'un avenir pétillant devient réalité. Une réalité encore lointaine, il faudra attendre 2020 pour voir les premières bouteilles. Bonjour. Ça va ? Et toi ? Bien. Il n'empêche, rejoindre l'appellation la plus chère du monde est une promesse de prospérité. Quand vous voulez dire bonjour en passant, vous allez croire que je vous fais la tête. Hein ? C'est une très bonne nouvelle à mon avis. Ça va peut-être changer un peu beaucoup de choses dans l'environnement, dans l'agriculture. Ça peut être bien. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent qui arrive ? Ben, entre autres, oui. L'argent puis du bon produit. Champagne, c'est une chose extraordinaire. Hein, hein. Puis tous les dérivés, puis tous les gens qui vont travailler autour de ça, ça va faire de l'emploi, ça va créer plein de choses. Hein. Aujourd'hui, Jean-Pierre Blin, agriculteur à Fismes, récolte du blé et demain peut-être des raisins de Champagne. Il est propriétaire de champs qui pourraient rentrer dans l'appellation. Les experts de l'INAO décideront des parcelles dans le courant de l'année 2009. Rien n'est encore fait. À l'avenir, si ça tournait en terre viticole, enfin, j'y crois pas trop. Bah, le rêve, c'est on troquerait la machine à vendanger pour la moissonneuse-batteuse. Enfin, une hypothèse. Hein. C'est une bonne nouvelle ? Bah, c'est certainement une bonne nouvelle. Mais enfin, vu mon âge, dans 10 ans, il faudra peut-être que je... Je sais pas si je vais anticiper là-dessus à la Rolls, mais enfin... À voir, ça se discutera. Pas tout de suite ? Non, pas tout de suite. Je vais attendre encore un peu. Enfin, on a le droit de rêver. Et pour cause, aujourd'hui, le prix d'un hectare de blé avoisine les 10 000 euros. Une terre en appellation Champagne premier cru approche les 500 000 euros, en grand cru, 1 million d'euros. Difficile alors de ne pas rêver et d'imaginer que ce blé pourrait un jour se transformer en or.